English driver landing Yo les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire la course entre une Ford Mustang GT et une Corvette Stingray. Si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes, à me dire en commentaire si vous voudriez des courses avec d'autres voitures. Souvenez-vous, avec Guillaume on avait fait la course. Avec nos voitures personnelles, hein. Moi j'avais une Polo et lui avait la BMW 320D. Il avait perdu déjà à l'époque. Est-ce qu'il va perdre encore cette fois-ci? Alors pour vous présenter les voitures, voici celle que j'ai louée pour venir à Los Angeles. Corvette Stingray C7. Bon, 466 chevaux, c'est un V8 6 litres 2. Regardez-moi cette beauté. Elle est vraiment super belle. Enfin même l'arrière, hein, avec les 4 pots d'échappement et tout. Enfin c'est ultra stylé. Ouais, je la kiffe. L'intérieur est pas dégueulasse non plus. Il y a du cuir partout. Enfin voilà, c'est super sportive. Et le toit, vous pouvez l'enlever. C'est un toit en dur et en fait vous pouvez le mettre dans le coffre et ça fait du coup une décapotable. Bon, je voulais prendre la Z06 au début. Bon, qui est une version beaucoup plus puissante de 650 chevaux il me semble. Mais c'était pas possible parce que ben niveau tarif c'était vraiment trop cher. Et pour la concurrente, c'est une Ford Mustang GT de 2019. Alors celle-là elle est vraiment toute neuve, elle a vraiment pas beaucoup de kilomètres. Celle-là fait 450 chevaux. Et c'est un V8 à l'intérieur. Regardez-moi cette beauté aussi. Enfin, l'arrière, franchement, l'arrière sur cette voiture, je trouve qu'il déchire. Avec les 4 pots d'échappement. Oh là là. Par contre, elle fait vraiment un meilleur bruit que la Corvette. Enfin voilà, en tout cas, les deux voitures sont super belles. Bon, le petit perdant, t'es prêt? Alors, on va commencer la première course. On va se mettre en mode économie. Première course gagnée! J'ai gagné la première course en mode éco. Aïe aïe aïe, j'ai même pas vu à combien on était. T'es tellement concentré sur la route quand tu fais une course comme ça. Alors monsieur le perdant, comment ça fait? C'est bien ou pas? Mode sport, enclenché. Deuxième course gagnée! On va faire le dernier test. On fait le dernier test en mode track. Et après, pour voir si c'est la voiture ou le pilote, on échange de caisse. Ouais, parce que les amis, on sait pas si c'est le pilote ou si c'est quelqu'un d'autre qui a le problème. Moi, je pense que c'est une histoire de pilote. On se stabilise et en fait, dès qu'on passe Blandine, pied au plancher, ok? Mais au début, on se met à la même vitesse, hein. Allez les amis, bon, on a gagné, hein. Vous doutez bien que la Corvette à 466 chevaux, la Mustang en a 450, mais écoutez, ça peut faire un petit peu la différence. Et on va changer de pilote, on va voir ce que ça peut donner. Bonjour, je vais drifter. Enfin, je vais essayer. On verra si je drift aussi bien que Guillaume. Oh, un canard. Enfin, un truc. Coucou. Piti, piti. Allez, on échange. Est-ce que tu es prêt? Les amis, j'ai laissé la voiture en track. Du coup, Guillaume va prendre la voiture. On va voir si c'est le pilote ou on va voir si c'est la voiture. Bon là on est dans la Mustang, c'est la Mustang GT mais...
On peut dire que c'est la voiture et pas le pilote. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Est-ce que ça va faire un bon truc et tout? On a eu chaud! Il y a la police qui vient d'arriver! Là on a eu vraiment chaud les amis parce qu'en fait, bon, je vous tourne l'intro après la vidéo et du coup, les traces là, c'est un peu nous. On a fait pas mal de races et du coup, la police passe maintenant. Ils nous auraient vu faire ça. Là, je pense qu'on allait au commissariat direct. On a eu chaud là par contre. Là, on a eu chaud. Il est arrivé par là. Ouais, exprès. Il t'aurait vu tourner, mec, t'étais mort. Enfin, ouais. Et là, mec, ta voiture, tu l'aurais pas ramené. Ouais, c'est clair. N'hésitez pas, les amis, à dire en commentaire quelle voiture vous préférez. Si c'est la Corvette ou si c'est la Ford Mustang. Moi, pour l'instant, c'est la Ford. Ouais. Moi, j'adore les trains, sauf quand ils font un bordel de merde. Moi, personnellement, je préfère la Mustang pour le bruit, parce qu'elle fait un bruit de malade. Et la Corvette pour le style, parce que c'est une de place et tout, elle est assez stylée. Les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes, à me dire en commentaire si vous pensiez que c'était la Corvette ou que c'était la Ford Mustang qui était la plus puissante. Et moi, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Salut!